Suivre Romains chapitre 13, au verset 9 à 10 dit, en effet, les commandements, vous voyez, en effet, les commandements, vous voyez, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, virgule, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui y sont encore, si qui y sont encore, y avoir, en résumé, dans cette parole, deux points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Donc, on vous dit ici que la loi de Dieu, la loi, cette loi-là, premièrement, elle est spirituelle. C'est l'amour. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et cette loi-là, dont Paul y parle là, c'est la loi morale. Parce qu'il y avait tellement de lois. Il y avait des lois cérémonielles. Il y avait la loi. On sait que la dîme, c'était la loi. Il y avait quatre sortes de dîmes. Vous pouvez aussi voir ça dans Deutéronome 14. Il y avait quatre sortes de dîmes. Ça, c'était la loi. Ça, c'était la loi. C'était les lois cérémonielles. Il y avait la loi des pains sans levain. Il y avait plusieurs sortes de lois. Ce sont ces lois-là que Christ est venu abolir. Parce que cette loi-là, quand vous les mettez en pratique, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Mais la loi qui vous sauve, avec les œuvres de l'amour, c'est les 10 commandements. Point barre.